السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج رمضان کا پہلا روزہ ہے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی آج ہی ہو رہا ہے. Aujourd'hui, c'est le premier jour du Ramadan au Royaume-Uni ainsi qu'au Pakistan. Et c'est le premier jour du Dars. L'année dernière, on était arrivé à la fin de la sourate Al-Imran et il nous restait les deux derniers versets. Et je vais débuter avec ces deux derniers versets aujourd'hui. À propos du retard, je dois dire que nous avons pu établir le contact avec le satellite vers 11h30. Cela prend quelque temps pour organiser tout cela. C'est pour cette raison qu'on m'a demandé d'attendre 5 minutes. Et c'est pour cette raison que je suis venu après. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آل عمران آيات 200 و 201. C'était les versets 200 et 201 de la sourate Al Imran. Et sûrement parmi les gens du livre, il y en a qui croient en Allah. Il y en a ceux qui croient en Allah. Dans la langue ourdou, nous disons ceux qui vont croire en Allah au futur. Mais dans la langue arabe, il est dit certainement parmi les gens du livre, il y en a qui croient en Allah. Ainsi, s'il y a des différences dans la traduction, mais tel est le sens qui a été présenté dans la langue arabe. Et sûrement parmi les gens du livre, il y en a qui croiront en Allah. Voilà la traduction littérale. Et qui croit en ce qui est descendu sur vous et en ce qui est descendu sur eux. Ils s'humilient devant Allah et ils ne troquent pas les signes d'Allah contre un vil prix. أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. Ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Assurément, Allah est prompt à faire les comptes. میں ان کا بعد میں ذکر کروں یا پہلے. Il y a quelques points qui méritent notre attention ici. Est-ce que je dois faire mention de cela après ou est-ce que je dois commenter sur ces versets en premier? Ou est-ce que je dois présenter l'essence des termes arabes? Tout d'abord, je dois présenter l'essence des mots utilisés dans ces versets. Il y a tout d'abord le terme « khashi'in ». « Khashi'in ». Est dérivé d'al-khushu ad-dara'a, c'est-à-dire l'humilité.
حضرت امام راغب کے نزدیک Quelle est la différence entre خشوع et دراء؟ Selon l'imam Raghib, خشوع کا اکثر استعمال جوارے کے لیے ہوتا ہے یعنی اعضاء کے لیے خشوع est utilisé dans la plupart des cas pour les membres du corps, c'est-à-dire le fait que l'on se prosterne, que l'on se courbe, que l'on tombe en prosternation. Donc ce sont des mouvements physiques que l'on fait devant Allah par humilité. Généralement, dans la langue arabe, on utilise le terme khushu pour évoquer cette humilité. Et selon l'imam Raghib, ad-dara'a signifie le fait de ressentir cette humilité en son cœur, le fait que l'âme se prosterne, le fait de ressentir cette humilité en soi. Ils disent que lorsque le cœur ressent cette humilité, c'est-à-dire ad-dara'a, eh bien les membres du corps s'humilient. L'humilité du cœur se transforme en humilité physique, mais d'autres ont présenté les sens contraires. Par exemple, selon Ibn al-Athir, on trouve le sens contraire. Il y a tout d'abord cette humilité dans la voix, il y a aussi l'humilité dans le regard. Et c'est comme l'humilité physique. Ce n'est pas exactement le contraire de ce que nous a présenté l'imam Raghib. Mais en tout cas, l'imam Raghib a une meilleure compréhension du Saint-Coran et des termes arabes. Il est au-dessus de tout par la grâce d'Allah. Et je préfère la traduction de l'imam Raghib. Et Hadrat Muslim Aoud a préféré lui aussi sa traduction. C'est-à-dire que le terme khushu s'applique au corps, à cette humilité physique. Et le terme khudu s'applique à l'humilité que l'on exprime par le cœur. دوسری بحثیں جو اس میں قابل ذکر ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر L'autre point qui mérite notre attention ici est qui sont ces personnes qu'on a évoquées dans ce verset. Il y a nombre d'exégètes qui ont présenté les noms de certaines personnes spécifiques. Certains ont présenté les chiffres ou le nombre de ces personnes. Mais il y a un point que vous devez comprendre, sinon vous n'allez pas saisir le sens de ce verset. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a ces dissensions, pourquoi est-ce qu'il y a ces difficultés concernant le nombre. Ces exégètes disent que les Ahlul Kitab sont ceux qui ont cru dans le livre avant. Ensuite, le Saint-Coran déclare qu'il croit dans ce qui a été révélé par la suite, c'est-à-dire ce qui a été révélé par Allah à son prophète, ces versets qui ont été révélés pour vous. Ces gens du livre croient dans ces versets. Wama unzila ilaykum. Ensuite, il est dit Wama unzila ilayhim. Et ensuite, il est dit Wama unzila ilayhim. C'est-à-dire qu'ils croient en ce qui est descendu sur eux. Quelle est donc cette histoire? Il y a trois possibilités ici. Il y a tout d'abord ces Ahl Kitab qui n'ont pas cru, c'est-à-dire qui ne se sont pas joints à la Jamaat des musulmans, mais l'état de leur cœur était tel que dans la réalité ils avaient cru. Et ils croyaient dans ce qui a été révélé à eux. Mais ils croient aussi en ce qui a été révélé à eux. Ce qui a été révélé à vous et à eux.
Ainsi, on nous fait comprendre qu'ils sont plus liés avec les Ahl Kitab. Mais il est aussi dit que, même s'ils sont parmi les Ahl Kitab, ils croient dans le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et ils sont parfaits dans leur foi. C'est-à-dire qu'ils se prosternent devant Dieu. Voilà un aspect qui mérite notre attention. Certains disent qu'en vérité, ici, cela veut dire qu'il y a ces personnes qui croyaient dans le livre et qui par la suite ont cru dans le saint prophète et qui ont suivi les directives du Saint-Coran. Et ils ont accepté aussi cet enseignement qui avait été révélé auparavant, cet enseignement dans lequel ils avaient foi. Ce sont des Ahl Kitab qui, à différentes périodes, ont embrassé l'islam et sont devenus musulmans. Les exégètes ont présenté des détails à ce sujet et je vais vous présenter cela. Dans le Tafsir Kabir, volume 9, page 451, on trouve cela dans le Tafsir Ruh al-Ma'ani et Bahr al-Muhit. Il dit que ce verset concerne en fait le Najasi, c'est-à-dire le Négus d'Abyssinie. Ils disent que le Négus le Najashi faisait parmi de ces personnes qui avaient cru, qui étaient parmi les Ahl Kitab. Et lorsqu'on leur a présenté les révélations reçues par le saint prophète, il a déclaré que il n'y a pas de différence entre ma foi et ce que vous m'avez présenté. Mais en dépit de cela, il se comportait comme un chrétien traditionnel. Il se disait chrétien toujours. Mais sa foi était telle que, après son décès, lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a reçu cette révélation qu'il est décédé, eh bien le saint prophète paix soit sur lui accomplit sa prière funéraire. Il y a donc ces exégètes qui disent que ce verset a été révélé lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dirigé sa prière funéraire. Eh bien, les polythéistes et les autres ont objecté en disant « Quel est ce genre de prophète qui n'a pas vu ce roi, le Négus ?» Et cette personne n'avait pas cru en lui. Et il fut chrétien. Mais en dépit de cela, il a dirigé sa prière funéraire. Et les exégètes disent que ce verset a été révélé pour répondre à cette objection concernant la prière funéraire de ce roi qui a été dirigé par le saint prophète. Encore une fois, c'est l'histoire de ces exégètes qui essayent de limiter ces versets à une seule situation. Voilà le point de vue de ces exégètes. Il y a eu cet incident, certes. Cet incident peut s'appliquer aussi au sens de ce verset, mais il serait complètement erroné de dire que ce verset a été révélé uniquement pour le négus. Ainsi, d'autres exégètes n'ont pas accepté ce point de vue. Au contraire, ils disent que ce verset s'applique à d'autres personnes. Certains ont présenté plusieurs personnes. Par exemple, Ibn Jurayh et Ibn Zayd disent que ce verset s'applique à Abdullah bin Salam et à ses compagnons. Et ils disent que ce verset s'applique à 40 personnes du Najran, à des personnes de l'Abyssinie et à 8 personnes parmi les Romains qui étaient auparavant chrétiens et qui par la suite ont embrassé l'islam. Ainsi, au lieu de lier ce verset avec une seule personne, ils ont choisi ces quelques personnes et ont appliqué ces versets à ces personnes, mais se sont limités à ces personnes spécifiques. On comprend grâce à ce débat combien de personnes avaient embrassé l'islam parmi les Ahl Kitab, car ces exégètes ont fait beaucoup de recherches, ont amassé ces recueils et ont compté le nombre de ces personnes. Ainsi, on comprend qu'en sus du Négus d'Abyssinie, il y avait encore d'autres personnes qui avaient embrassé l'islam. Il y avait la délégation qui était venue du Najran. Il y avait un débat entre eux et le saint prophète.
Et il y avait 40 chrétiens qui avaient embrassé l'islam dans sa délégation. Et il y avait aussi 83 personnes de l'Abyssinie. Et parmi les Romains, dans l'Empire romain, il y avait 8 personnes qui ont embrassé l'islam. Mais selon Mujahid, ce verset ne s'applique pas à ces personnes spécifiquement, que c'est un verset à sens très large qui s'applique à tous ces Ahlé Kitab qui a cru. Et qui a accepté l'islam ouvertement, et que ce verset a été révélé concernant toutes ces personnes qui étaient des Ahlé Kitab avant l'avènement de l'islam et qui par la suite ont embrassé l'islam. L'imam Razi a préféré l'opinion de Mujahid. En tout cas, le tafsir de Mujahid est meilleur que les autres tafsirs selon l'imam Razi. Mais on n'a pas encore résolu ce problème, à savoir que si c'est un verset général et qui s'applique à tous ces chrétiens qui ont embrassé l'islam, mais quel est le sens du fait qu'après avoir embrassé l'islam, ils ont accepté la révélation qu'ils avaient reçue auparavant? De toute manière, ils croyaient dans le livre avant l'avènement de l'islam. Pourquoi est-ce qu'il est dit qu'ils ont cru en vous, à ce qui a été révélé à vous et à ce qui a été révélé à eux auparavant? Hadrat Muslim Maoud a présenté son point de vue et il dit que leur foi dans la Bible était une foi superficielle auparavant. Et après avoir cru dans le saint prophète, leur foi dans le livre ou dans la Bible s'est renforcée. Et leur foi s'est renforcée davantage. Et ils ont compris le sens de ce livre, et ils ont compris ce livre lorsqu'ils ont cru dans le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, ce sens présenté par le Muslim Aoud est meilleur que les sens présentés par les autres tafasirs. Ensuite, il y a aussi une prophétie dans ces versets. C'est-à-dire, il n'est pas question uniquement ici de ces personnes qui avaient cru auparavant, mais par la suite, il y a eu différents groupes qui ont embrassé l'islam. On trouve mention de ces personnes. Mais qui seront ces personnes? La clé de cette énigme se trouve dans le terme Rashi'in. Nous allons retourner vers le verset en question. Il est dit dans le verset 200 de la sourate Al Imran, Wa inna min ahli al-kitabi laman yu'minu billahi. Et sûrement, parmi les gens du livre, il y a ceux qui croiront en Allah, c'est-à-dire il y a eu ceux qui ont cru, et il y a ceux qui vont croire en Allah et qui vont croire dans ce qui est descendu sur vous et ce qui a été révélé à eux. Ils vont croire dans ce qui a été révélé à eux. Ainsi donc, ces personnes vont croire dans ce qui a été révélé à eux auparavant par l'entremise du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. C'est la même explication présentée par le musulman Maoud, le deuxième calife. Mais ce que je veux indiquer ici, c'est que ce verset ne s'applique pas à une situation donnée ou à une époque donnée. Cela ne s'applique pas à un nombre de personnes spécifiques. Mais c'est une prophétie perpétuelle, à savoir que parmi les Ahlé Kitab, les gens du livre, ceux qui vont croire réellement dans leur livre seront ceux qui vont tout d'abord croire dans le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et qui vont croire dans la révélation qui a été accordée au saint prophète. Ensuite, il est dit « Khashi'ina lillahi ». Qui seront ces personnes? Ce seront des personnes dont les cœurs seront toujours prosternés devant Dieu. Et selon Mufradat, il est dit que Rachin concerne les membres du corps, c'est-à-dire que partout où il serait question des membres du corps, vous allez voir le terme
Khash'in. Mais aucun linguiste n'a dit que Khash'in concerne uniquement les membres du corps et que cela ne concerne pas l'humilité dans le cœur. Dans certains cas, cela concerne à la fois le cœur et les membres du corps lorsque cela commence avec le cœur et que cela a de l'effet sur les membres du corps. C'est ainsi qu'on élargit le sens du terme « khashi'in ». Ainsi, il y a cette humilité qui naît dans les cœurs et qui par la suite a de l'influence sur les membres du corps et c'est pour cette raison que l'on se prosterne devant Dieu. C'est-à-dire qu'on accepte Dieu ouvertement. Ainsi donc, le terme « khashi'in » nous fait comprendre que cela ne concerne pas uniquement ceux qui ont cru en leur fort intérieur. Le terme « khushu » peut concerner le cœur, mais cela s'applique surtout au corps. Ainsi, la meilleure traduction sera que ceux qui ont ressenti cette humilité dans leur cœur, mais qui ont exprimé cela par leur corps. Et lorsque cela s'exprime par le corps, eh bien, on accepte cette foi ouvertement. Ensuite, il est dit « La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ». Voilà une autre description de ces personnes. Ces personnes abandonnent leur point de vue antérieur pour accepter un autre point de vue. Et ces personnes ne sacrifient pas les signes de Dieu pour des vils prix. Croire en quelque chose signifie payer un prix. Ensuite, « thamanan qalila » ne signifie pas un vil prix, ou que ces personnes ne vendent pas leur foi pour un vil prix, car en tout cas, tout prix sera vil face à la foi. Voilà le sens qui est présenté ici. C'est-à-dire, ils ne sont pas prêts de sacrifier la foi, quel que soit le prix, car la foi est sans prix. Voilà ces personnes qui ont ce courage. Car ces personnes doivent faire des sacrifices. Cela ne veut pas tout simplement dire qu'ils ne troquent pas les signes de Dieu contre un vil prix. Mais lorsqu'ils sont en danger et qu'ils sont dans un état ou dans un environnement où il est possible qu'on les dépossède de tout ce qu'ils possèdent, dans ces situations, on doit payer un prix pour être en sécurité. Et on voit cela dans le cas de l'Ahmadiyya. L'histoire de l'Ahmadiyya qui est en train de répéter l'histoire ancienne. On est en train de mettre de la pression sur les Ahmadiyya en disant qu'on va vous déposséder de vos biens, qu'on va vous spolier, qu'on va vous déshériter. Et certains, par peur, sont réduits au silence. Ainsi, ils ont accepté ce prix. Apparemment, ils n'ont pas pris d'argent de l'extérieur. Mais ils ont vendu leur foi et ont reçu ce prix, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été privés de leurs biens. Voilà donc une épreuve qui a été indiquée ici, à savoir que, quant à ces personnes dont les cœurs et le corps s'est prosterné devant Dieu, ces personnes ne sont pas prêtes de vendre leur foi pour quelque prix. Ensuite, il est dit « Ulaikalahum ajruhum inda rabbihim ». Ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur, c'est-à-dire ces personnes sont à l'abri. Innallaha sari'ul hisab. Assurément, Allah est prompt à faire les comptes. J'ai déjà expliqué auparavant le terme sari'ul hisab et j'ai expliqué là-bas que des fois, lorsqu'on croit que quelque chose va se passer bien longtemps après qu'il y aura un long délai, eh bien, Dieu utilise le terme « sari'ul hisab » pour sa personne. Apparemment, on voit une contradiction ici, mais si l'on pense que leur récompense est auprès de Dieu et que c'est après leur décès, après le jour de la résurrection, lorsqu'ils seront ressuscités, qu'ils recevront leur récompense, eh bien, quelle est la relation entre cet état des choses et « sari'ul hisab » ? « Sari'ul hisab » signifie « celui qui fait les comptes immédiatement ». Celui qui prend une décision immédiatement. On peut présenter deux sens. Tout d'abord, il y a le sens permanent, à savoir que l'expression « sari'ul hisab » ne concerne pas le fait de récompenser, mais de faire des comptes. Lorsqu'on a fait un compte,
eh bien, la récompense sera à l'abri ou en sécurité. Certaines personnes disent, faites nos comptes même si on doit payer après. Tout d'abord, on veut faire les comptes afin que l'on sache qu'on est à l'abri et qu'on n'a pas de soucis. Et le terme Sarihul Hisab est utilisé quand il y a certaines complications et toute personne ne peut pas comprendre cela. Lorsque cela concerne des changements dans les cœurs des gens, lorsqu'on peut dire que on ne sait pas si cette personne va faire de si grands sacrifices, car Allah déclare qu'ils ne vont pas troquer leur foi. Eh bien, tout croyant doit faire des sacrifices. Personne ne connaît les sacrifices consentis par l'autre. Dans certains cas, on offre de l'argent à certains pour vendre leur foi et qu'ils rejettent cela. Ainsi, il y a ces sacrifices subtils et seul Dieu, celui qui connaît l'invisible, connaît cela. Et les actions et les comptes se font en même temps. Et pour cela, on n'a pas besoin d'attendre. Allah déclare que, quant à ces personnes qui passent par ces situations et qui font ces sacrifices pour embrasser l'islam, Dieu ne va pas rejeter le moindre sacrifice qu'ils ont accompli pour la cause de Dieu. Dieu est en train de maintenir le compte de leurs sacrifices. Et le résultat sera que Ajruhum inda rabbihim. Certainement, leur récompense est auprès d'Allah. Puisque le compte a été déjà fait, il n'y aura pas de changement. C'est un fait certain. Un autre sens de Sarihul Hisab qui s'applique à ce bas monde est que ces personnes sont récompensées ici-bas sur terre. Et Allah ne tarde pas à faire les comptes. Quant à ces personnes qui font des sacrifices pour la cause de Dieu, certainement, ici-bas sur terre, ces personnes sont récompensées. Et c'est quelque chose dont nous avons toujours vu s'accomplir en notre faveur. S'il y a quelques exceptions, là et là, on trouve ces exceptions de manière très rare. Il se peut que l'état des cœurs de ces gens est tout autre et qu'il y a certaines faiblesses en leur fort intérieur et que leur sacrifice n'était pas un sacrifice volontaire ou que peut-être que ces gens se sont écartés. Donc il y a cette possibilité dans certains cas, mais on ne peut rien dire à ce sujet car Allah est prompt à faire des comptes et on ne sait pas ce que Dieu a maintenu pour ces personnes. Quelle est la sagesse derrière tout cela? Ainsi, nous n'avons pas le droit de rejeter la foi de ces personnes. J'ai présenté cette possibilité ici, mais on ne peut pas donner des décisions, nous, des êtres humains. Mais dans la majorité des cas, nous avons tout le temps constaté que quant à ceux qui ont fait des sacrifices financiers, eh bien, par la suite, Allah leur a récompensé à tel point que il a multiplié ce qu'ils avaient perdu. Et après l'immigration, comme nous l'avons constaté, la Jamaat Ahmadiyya a reçu d'innombrables faveurs de par le monde. Et Allah a béni ces familles qui, lorsqu'ils partaient, ne possédaient rien. Mais ce qu'ils avaient perdu n'était rien comparé à ce qu'ils ont reçu. Voilà notre sens de Sarihul Hisab, à savoir que Dieu récompense rapidement et il fait les comptes rapidement. Vous n'aurez pas à attendre l'au-delà. Dans l'au-delà, vous serez récompensé car la vraie récompense sera dans l'au-delà. Mais en tout cas, vous serez récompensé ici-bas pour les bonnes œuvres que vous aurez accomplies. Je vais citer quelques orientalistes à ce sujet. On consomme quelque chose de succulent lorsqu'on veut avoir du goût dans la bouche. Mais ici, on a réservé les références des orientalistes à la fin. En
ان روایات کو قبول کیا ہے جو اس آیت کے کریمہ کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ یہ نجاشی La کا plupart لشکر ہے. d'entre eux ont accepté les récits qui ont été évoqués concernant ce چنانچہ verset اس کا et concernant le نام نہیں négus. لکھا ہوا, یہ کون ہے لکھنے والا؟ سیری یا غالباً. The persons here meant Il y a par exemple l'orientaliste, celle qui a déclaré que les personnes qui sont concernées ici sont peut-être Abdullah bin Salam et ses compagnons. Certains suggèrent 40 Arabes parmi ceux du Najran ou 32 chrétiens ou 38 chrétiens parmi les Éthiopiens et 8 Grecs qui se sont convertis à l'islam. Et d'autres disent que ce passage a été révélé au cours de la 9e année de l'Hégire, lorsque Gabriel a révélé au Saint-Prophète la mort de Asma. اس لیے اس کو پھر اسما نہیں بلکہ اسما اسما پڑھا جائے گا. بہرحال جو بھی ہے, مراد ہے نجاشی کا نام تھا. En tout cas, cela concernait à la mort du Négus, le roi d'Abyssinie. Le Négus était le roi d'Abyssinie, dont le nom était peut-être Asma. Mais d'aucuns disaient aussi que Najashi était peut-être son nom personnel. Et que les musulmans ont transformé son nom en titre, car il y a eu un grand incident avec ce roi, et c'est pour cette raison qu'il qualifiait les rois d'Abyssinie de Négus ou de Najashi. En tout cas, certains acceptent le terme Najashi comme son titre et disent que son nom personnel était Asma. Ils disent que ce roi avait embrassé l'islam quelques années auparavant. Et le saint prophète avait prié pour son âme. Et parmi ses suivants qui étaient des hypocrites, étaient tout étonnés de voir qu'il avait prié pour un chrétien, un prosélyte chrétien qu'il n'avait jamais rencontré. C'étaient les commentaires d'un orientaliste. Donc, ainsi, pourquoi est-ce que cela a blessé les hypocrites? C'est-à-dire que les hypocrites étaient plus sincères que les croyants. Cet orientaliste a dit que cela les a blessés parce que le saint prophète avait dirigé la prière funéraire de ce chrétien qui s'était converti à l'islam alors qu'il ne l'avait jamais vu. Quelle est la relation entre le fait de ne pas avoir vu cette personne et le fait d'avoir dirigé sa prière funéraire? Est-ce qu'on ne va pas diriger la prière funéraire d'une femme dont on a couvert le visage? Ainsi, ce sont des histoires farfelues qui n'ont aucun sens et ils veulent tout simplement présenter les hypocrites comme de véritables croyants, comme des fondamentalistes. Ici, il n'est pas question uniquement des hypocrites. Des non-musulmans aussi ont eu le même comportement que ces hypocrites. Ici, cela ne concerne pas uniquement ceux qui avaient accepté le Saint-Prophète. Cela concerne plutôt ces personnes qui ont vu la gloire de l'islam et qui ont vu que ce roi, qui était le roi d'un pays chrétien et qui a embrassé l'islam, et que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la nouvelle de sa mort grâce à la révélation divine et qu'il a dirigé sa prière funéraire. Et ce n'est que plus tard qu'on a reçu la nouvelle de son décès. Et pour cacher ce grand miracle, ces orientalistes partent à droite et à gauche et commence à présenter des faits farfelus pour cacher cette vérité, comme si c'est quelque chose d'ordinaire, et que la société musulmane s'est divisée et qu'il y a eu des dissensions parmi eux en raison de cet événement. En tout cas, ce fut un très grand signe.
un grand signe en faveur du saint prophète. Dieu avait révélé au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, que ce roi est décédé, et c'est là qu'il a dirigé la prière funéraire de ce roi. Les experts en jurisprudence islamique ont soulevé cette question, si on peut accomplir la prière funéraire en l'absence de la dépouille ou pas. C'est-à-dire que la personne est décédée quelque part et on a dirigé sa prière funéraire ailleurs. Et Malik Saifur Rahman Saheb m'a donné ce conseil de diminuer cette tradition que d'accomplir la prière funéraire en absence. Il a cité cet incident, à savoir que le saint prophète a dirigé la prière funéraire du négus d'Abyssinie et d'une autre personne. Mais ce n'était pas une tradition générale du saint prophète. Et il m'a dit que si je commence cette tradition, eh bien, toutes les djamas du monde entier vont vous poursuivre et vont vous demander de diriger la prière funéraire de toutes ces personnes qui décède. La question est, est-ce qu'on peut diriger la prière funéraire en l'absence de la dépouille ou pas? On dirige la prière funéraire de cette personne qui est devant soi et on ne dirige pas la prière funéraire de la personne qui n'est pas présente devant soi. Et la prophétie de Malik Saheb fut vraie. Et maintenant, après le décès de toute personne, on reçoit des demandes. Et si je commence à faire cela, eh bien ce sera une nouvelle innovation et qui ne sera plus de la sunna du saint prophète. Cela va se transformer en innovation. C'est pour cette raison que j'avertis toute la jamaat à ce sujet. C'est-à-dire que vous devez tout simplement m'informer. Et si moi, je crois de mon propre chef que je dois diriger la prière funéraire de telle personne en son absence, eh bien, je vais le faire. Sinon, pour arrêter ces troubles à propos duquel Malik Saifur Rahman Saheb Rahmallahu Ta'ala m'avait averti, et moi, j'ai accepté ses propos et j'ai confié à l'Anjuman cette tâche de transmettre les noms des personnes concernées. C'est leur droit de m'envoyer cela. Mais la dernière décision repose sur moi. Maintenant, on nous présente de nouvelles conditions. On dit que dès qu'on passe à l'écran, on doit diriger la prière funéraire ou que je dois diriger la prière funéraire de la personne décédée après la prière de Juma. Ainsi, la prière janaza est devenue une forme d'ostentation, tout simplement pour faire valoir ses proches. Et la prière janaza n'est plus devenue un moyen pour le pardon de son âme. En tout cas, je dis aujourd'hui que pour une certaine période, nous voulons que cette tradition disparaisse. Et c'est pour cette raison qu'on va retourner sur la situation d'avant, c'est-à-dire selon la tradition des califes. Ce n'était pas une tradition que de diriger la prière funéraire d'une personne en son absence. Cela se faisait très rarement. Des fois, moi-même, je fais des exceptions, car, par exemple, une personne est en émigration, cette personne n'a pas pu retourner, son père, ses proches sont décédés ou sont passés par des situations très difficiles et les enfants souffrent et veulent participer dans leur prière funéraire. Ou il y a certains qui font des accidents, il y a d'autres qui tombent en martyr. Ce sont là des faits exceptionnels et moi-même je fais ces exceptions. Vous devez tout simplement m'écrire pour demander pardon pour la personne concernée. Cela est important. Moi aussi, je vais prier pour cette personne. Mais vous devez laisser sur moi la décision de diriger sa prière funéraire ou pas. En tout cas, la chose la plus importante, c'est la prière pour le pardon de son âme. Dans ce récit, il était dit qu'on n'avait pas vu la personne décédée. C'est pour cette raison que peut-être que certaines personnes ont soulevé des objections concernant la prière funéraire en l'absence de la personne décédée. Sel a présenté un autre Shani Nuzul, c'est-à-dire le but de la révélation de ce verset. Et il dit qu'au cours de la cinquième année de la mission du prophète, 16 personnes, parmi lesquelles il y avait 4 femmes, sont parties en Égypte, parmi lesquelles il y avait Ousmane bin Affan et sa femme Rukayya,
La fille de Mohammed. C'était la première émigration, mais par la suite, nombre d'entre eux ont émigré là-bas. Il y avait 83 hommes et 18 femmes, en sus des enfants. Ces réfugiés ont été accueillis à bras ouverts par le négus d'Abyssinie. Ici, l'orientaliste a accepté le terme négus comme le titre de ce roi. Il accepte que c'est son titre et non pas son nom propre. Il a cité le nom d'un autre expert qui a dit que ce nom est son nom propre. Mais c'était le titre que les Arabes donnaient au roi de ce pays. Il a cité Life of Muhammad. Et ce roi a refusé de retourner aux Quraychites ces personnes qui étaient réfugiées. Ensuite, il y a le dernier verset de la sourate Al-Imran. Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ô vous qui croyez, soyez constants et efforcez-vous d'exceller en constance. Et soyez vigilants quant à la surveillance de vos frontières. Et craignez Allah afin que vous prospériez. C'était le verset 201 de la sourate Al-Imran. En comptant la basmala, ce verset sera le verset 201. Car nous comptons la basmala comme le premier verset. Mais sinon, dans la plupart des Corans, c'est le verset 200. Que signifie sabr? Selon les lexiques arabes, sabr signifie sabr fi dhiq, c'est-à-dire le fait de se retenir lorsqu'on est en difficulté. On présente un autre usage du verbe sabr en disant qu'on a attaché un animal sans lui donner sa nourriture. On utilise le terme sabar pour le fait d'attacher son animal et de ne pas l'offrir sa nourriture. C'était une habitude que l'on trouvait parmi les Arabes, mais le saint prophète Mohammed paix sur lui a interdit cette pratique et a déclaré que l'on sera châtié dans l'au-delà pour cette pratique. Cela ne concerne pas uniquement le bétail. Et c'est en tout cas un très grand crime. Vous vous occupez de votre bétail et vous n'avez pas la pudeur de leur accorder de la nourriture. Alors que ces animaux vous donnent du lait, de la viande et leur peau. Donc ce sera un grand crime que de ne pas leur donner leur nourriture. Et le saint prophète, paix sur lui, a déclaré à propos d'un chat que son maître est un enfer parce qu'il l'avait ligoté à la maison et ne lui avait pas donné à manger. Lorsqu'on attache un animal, la personne qui l'attache doit lui fournir sa nourriture et son eau. Ainsi, on utilise le mot sabar dans ce sens, c'est-à-dire que cet animal qui ne peut parler a été ligoté. Et c'est pour cette raison qu'on dit sabar tu dabata, c'est-à-dire je l'ai fait éprouver le sabr. Ensuite, il est dit isbiru wa sabiru. Soyez patients et encouragez les uns les autres à être patients. Ceci a été expliqué dans le dictionnaire Mufradat de l'imam Raghib, où il est dit « Ihbisu anfusakum ala l'ibadati wa jahidu ahwa'akum ». Le sens véritable de cela est que vous devez
vous retenir et accomplir l'ibada. Vous ne devez pas vous écarter de l'ibada. Vous devez vous maintenir sur les voies de l'ibada. Voilà le premier sens de sabara. Ensuite, il est dit Wajahidu Ahwa'akum, et vous devez faire cette lutte contre vos âmes, contre vos désirs. Il est dit que vous devez faire preuve de patience et encourager les autres à faire preuve de patience. Cela veut dire que l'on doit enseigner la patience à ses passions, à ses désirs. On doit les maintenir dans leur cercle respectif. Voilà le sens de Swabiru. On a présenté d'autres sens dans le dictionnaire Akrabul Mawarid. Selon l'usage, cela veut dire faire preuve de patience, faire preuve de bravoure. Et faire preuve de patience sur le champ de bataille. Sabara signifie se retenir. Sabara signifie aussi retenir quelqu'un. Cela peut être utilisé au sens transitif, c'est-à-dire empêcher quelqu'un d'accomplir quelque chose. Selon un autre sens de sabre, cela veut dire essayer de dépasser quelqu'un dans la patience, c'est-à-dire faire une compétition dans le sabre. Il y a tout d'abord le fait d'enseigner la patience et de faire preuve de patience et de se surpasser les uns les autres. La patience est le contraire des lamentations. Sabar signifie retenir son âme lorsqu'on est face à de l'impatience, face à de l'angoisse, lorsqu'on est en train de souffrir. Si en de telles situations l'on se retient, eh bien on appelle cet état à sabr. Sabar signifie aussi éviter les dissensions, c'est-à-dire de ne pas agir contre les commandements de Dieu et les commandements de son prophète. C'est-à-dire de ne pas s'opposer à Allah et à son prophète. S'éloigner de cette désobéissance est qualifié de sobre. Selon Taj al-Urus, sabar signifie se maintenir droit lorsqu'on fait face à des difficultés, c'est-à-dire être ferme face à des épreuves, de se maintenir tout droit face à des épreuves et de le faire avec noblesse de caractère. Si on accepte les épreuves avec patience, c'est ce qu'on appelle un sabre. Il y avait une femme qui se lamentait sur la mort de son fils et le saint prophète lui a encouragé à être patiente. Et cette femme a prononcé une parole irrévérencieuse, mais lorsqu'elle a su que c'était le saint prophète qui lui a dit ces paroles, eh bien, elle a couru derrière le saint prophète, lui a demandé pardon et lui a dit qu'elle va être patiente. Mais le saint prophète lui a dit que c'est au moment de l'épreuve que l'on doit faire preuve de patience. La traduction présentée ici est exacte, c'est-à-dire que l'on doit faire preuve de patience face à une tristesse montante. On fait preuve de patience lorsque la souffrance augmente. Si au moment de la souffrance, l'on sort gagnant, on sera qualifié de sabir. De toute manière, par la suite, on sera patient. Dieu enseigne la patience à tout le monde.
ou peut-être que cette personne va décéder avant de faire preuve de patience. Mais cette patience qui mérite récompense, le fait d'accepter le plaisir de Dieu, ce qui a été présenté par le Saint-Coran, c'est de faire preuve de patience lorsque frappe cette épreuve. Ensuite, il y a le terme « rabitu ». On dit « rabtul faras ». Il y a ici encore le sens de ligoter. Dans le terme « sabra », il y a le sens de se ligoter ou de se retenir et de se retenir lorsqu'on se trouve dans un état périlleux et de se maîtriser. Le fait de se maintenir sur sa foi lorsque l'ennemi veut mettre à mal la foi de quelqu'un, dans une telle situation, si l'on se maintient sur sa foi, on va dire qu'on a fait preuve de patience, c'est-à-dire que les autres ont essayé de vous détourner, mais vous vous êtes maintenu sur cette voie. Dans le terme rabt, il y a aussi le sens de ligoter, de se lier. Il y a aussi le sens de ligoter les autres, d'attacher les autres. C'est pour cette raison que rabitu signifie maintenir les chevaux sur la frontière ou de les attacher sur la frontière. Il y a le sens d'attacher, mais attacher sur la frontière est un autre sens. Moi, je ne sais pas si c'était la tradition arabe ou c'est un usage de la langue arabe, mais en tout cas, certains exégètes ont présenté des récits de certains compagnons. On a dit que ce n'est pas la peine de prendre le sens premier de Rabitu. Ils ont dit que nous avons participé dans nombre de batailles avec le saint prophète et dans aucune bataille, dans aucune occasion, on a attaché nos chevaux sur les frontières. Ainsi, on ne peut pas accepter cette traduction littérale qui va à l'encontre de la tradition et de l'histoire de l'islam. Jamais, en aucune occasion, lorsque le saint prophète était à Médine, il avait attaché ses chevaux sur la frontière de l'Iran. Ainsi donc, ce n'est qu'une expression. Attacher les chevaux sur la frontière ne signifie pas les placer sur les frontières, mais cela signifie tout simplement surveiller ces frontières, c'est-à-dire se préparer afin que l'ennemi puisse voir ses chevaux, c'est-à-dire de ne pas offrir cette occasion à l'ennemi de lancer des attaques surprises et de ne pas abandonner les frontières, c'est-à-dire que cela doit se faire de manière constante. Et dans le monde aujourd'hui, vous n'allez pas voir tout au long de la frontière d'un pays qu'il y a des soldats qui sont là et qui sont prêts. Les soldats prennent beaucoup de temps pour arriver jusqu'aux frontières. Ils doivent se préparer pendant plusieurs mois et c'est là qu'ils pourront atteindre ces frontières. Mais l'ennemi aussi ne pourra pas atteindre les frontières immédiatement. Il y a certainement des gardiens là-bas sur les frontières. Et lorsqu'ils voient des mouvements, lorsqu'ils comprennent que l'ennemi a de mauvaises intentions, c'est là qu'ils font appeler les soldats qui atteignent les frontières petit à petit. Ainsi, il sera tout à fait faux de dire qu'il y avait toujours des chevaux attachés sur les frontières. Et aujourd'hui, en des situations de guerre, on ne peut pas toujours attacher des chevaux là-bas. Rabitu signifie donc placer là-bas des gardiens afin que l'ennemi ne puisse pas vous surprendre. Vous devez toujours être prêt à repousser ces attaques aux frontières. Aujourd'hui, pour arrêter des épidémies, on met en place des vaccins. Donc, c'est le même sujet que l'on voit ici, le fait d'attacher les chevaux, c'est-à-dire de se préparer face à l'ennemi. Lorsqu'il y a des épidémies qui se répandent, on commence à vacciner les gens afin que dès que ces personnes soient infectées par ces germes,
il puisse être à l'abri de ces attaques. Voilà donc comment agit le corps physique de l'homme. C'est-à-dire, il doit être toujours prêt à répondre à ces attaques. Voilà donc le sens de Rabbi Tu. Tajul Urus a présenté le sens spirituel de Rabbi Tu. Le sens spirituel de Rabbi Tu signifie que l'on doit accomplir la prière aux heures prescrites et protéger les heures des prières. Voilà le sens de Ribatul Khayl. Ici, il n'est pas question de frontières physiques. Cela concerne toute frontière d'où on peut subir des attaques. Et ici, les attaques de Satan sont les plus importantes, car il est le plus dangereux. Ainsi, il est dit que vous devez protéger les heures des prières. Il ne faut pas se rapprocher de la fin de ses prières. C'est pour cette raison que c'est là le sens important. Et en accomplissant les prières, on pourra protéger ses frontières. Il y a un lien entre le terme Rabd et le cœur. Par exemple, Allah déclare Rabatullahu ala qalbihi. Cela signifie que Allah a renforcé son cœur. L'imam Rahib a aussi présenté ce sens. Il déclare que Rabdun ala qalbi signifie renforcer le cœur de quelqu'un. Il est dit dans le Saint-Coran, « وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ » à savoir que nous avons renforcé leur cœur et nous avons attaché leur cœur. « Rabata » signifie « lier ces personnes, les attacher ensemble, afin qu'il n'y ait pas de division. » Nous allons maintenant retourner vers le verset concerné, qui est le dernier verset de la sourate Al-Imran. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Le sens premier que je viens de présenter est que il se peut que l'on subisse des attaques de la part de l'ennemi. Il y a des attaques aux frontières et qui concernent les assauts de l'ennemi. Dans ce sens, pourquoi a-t-on placé ce verset à la fin de la sourate Al-Imran? Auparavant, dans cette sourate, on avait mentionné trois grandes batailles. La bataille de Badr, la bataille de Uhud et la bataille de Khamraoul Asad. Il y a certaines indications qui ont été présentées et qui nous fait comprendre qu'à l'avenir aussi, il y aura des dangers de la part de l'ennemi. Ainsi, lorsque l'ennemi sera prêt à attaquer les musulmans, eh bien Dieu va les protéger ou les protégera. Mais on nous fait comprendre ici que le saint prophète Mohammed lui était toujours vigilant et essayait de comprendre les intentions de l'ennemi. Voilà le sens de Ribat. Et le saint prophète Mohammed Mustafa avait mis en place ce système. C'est-à-dire que il n'envoyait pas des chevaux et des cavaliers sur les frontières, mais il prenait toujours des informations. Ainsi, il a averti les musulmans en disant que vous ne devez pas vous mettre aux frontières pour que l'ennemi vous voie et pour qu'il soit lui aussi vigilant. On a interdit aux musulmans d'avoir comme amis des personnes qui veulent connaître leurs secrets et qui vont utiliser vos secrets contre vous. Car ces personnes ne désirent pas votre bien, ces personnes désirent vous nuire. Au contraire, ces personnes sont ravies lorsque vous souffrez. Ainsi, voilà un autre sens que d'envoyer des cavaliers aux frontières. C'est-à-dire que vous devez toujours regarder les mouvements de l'ennemi. Vous devez regardez de très près. La tajassasu ne signifie pas que vous ne devez pas surveiller l'ennemi. Le Coran dit qu'il ne faut pas espionner, mais cela concerne votre société à vous, là où vous devez agir avec de bonnes pensées. Et c'est cela qui va renforcer votre société à vous. S'il y a de l'espionnage là-bas, eh bien, ce sera contre le sujet de Ribat.
C'est pour cette raison que dans vos sociétés, vous devez toujours avoir de bonnes pensées à l'égard des autres. Mais lorsqu'il est question des autres, des non-musulmans, vous devez les regarder de très près, car ce sont vos ennemis et ces personnes désirent vous nuire. C'est pour cette raison que notre jamaat doit être encore plus vigilant. C'est vrai que dans nombre de cas, Dieu nous avertit en raison des erreurs de l'ennemi et qui nous fait comprendre c'est quoi leurs intentions. Mais en ce qui concerne, mais la jamaat Ahmadiyya doit faire des efforts conscients. La Jamaat Ahmadiyya doit connaître l'état de l'ennemi, doit connaître ce que fait l'ennemi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de lacunes dans ce domaine. Et il y a un système qui a été mis en place par Dieu. Et grâce à cela, on reçoit les informations, à savoir que tout Ahmadi écrit à propos de ce qu'il voit. Ces lettres ne seront pas intéressantes pour une personne ordinaire. Mais lorsque de toutes parts on reçoit des lettres et lorsqu'on évoque un seul point dans ces lettres, eh bien grâce à tout cet ensemble, l'on comprend ce qui se passe. On comprend que l'ennemi est en train de faire de tels complots. Par exemple, dans la région du Jiang, on avait organisé cette rencontre au cours de laquelle on a colporté un très grand mensonge contre la communauté, un mensonge qui a été prouvé. Ils ont colporté là-bas que les Ahmadis ont fait ce plan à Rabwa, à la gare, que de tabasser les étudiants qui vont passer dans cette région ou sur cette gare. Et ainsi, selon eux, ils ont réagi et ils ont décidé de tuer tous les Ahmadis là où ils se trouvent. Et ils ont commis des exactions. Alors que les enquêtes ont prouvé que c'était auparavant une accusation mensongère et que par la suite, ils ont colporté ces mensonges en toute connaissance de cause afin de fomenter des troubles. Ils ont soulevé cette question afin de préparer le peuple pour commettre ces exactions. Ils ont dit que voilà ce qui s'était passé auparavant. Et maintenant, nous sommes en train de vous avertir que lorsque la Jamaat Ahmadiyya va commettre ses méfaits, eh bien, on va réagir de la même manière. Et que s'est-il passé dans la réalité? Ce n'est pas la Jamaat Ahmadiyya, mais ce sont les étudiants de la Jamaat Islami et d'autres étudiants qui étaient sous l'influence de l'État. Ce sont eux qui ont fait ce complot. Et j'ai déjà évoqué ce complot dans mes sermons. Je ne vais pas répéter cela ici, mais je veux tout simplement dire comment lorsque nous recevons des nouvelles de différentes régions, et bien grâce à cela, on peut comprendre ce qui se passe et que ce complot. Mais en tout cas, il n'y a pas ce système spécifique qui est en place. Par exemple, dans la région de Sarhad, où tout le temps on a commis des exactions contre les Ahmadis, on s'était attaqué à des jeunes Ahmadis. C'était un complot bien ficelé. La police était présente. Cela s'est passé devant les yeux de la police. On les a tabassés devant la police. Et lorsqu'ils ont répondu à ces attaques, cela qu'on a fait sortir des armes à feu, on leur a tiré dessus. Et immédiatement, dans toute la province, on a diffusé cette information que les Ahmadis ont ordi un très grand complot et qu'ils se sont attaqués à des étudiants innocents et qu'ils les ont tabassés. Et certains ont perdu leur vie et c'était un événement très tragique. On a répété la même chose qui s'était passée à la gare de Rabwa. L'Ahmadi qui m'a envoyé les articles qui ont été publiés là-bas. Et ce n'était pas le résultat des efforts de la Jamaat. Mais j'ai reçu des informations d'ici et de là, de Karachi et d'ailleurs. Grâce à cela, on comprenait le plan de l'ennemi.
Mais ce verset du Saint-Coran nous fait comprendre qu'à l'époque du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, on surveillait de très près les efforts de l'ennemi. Il y avait ce système qui était en place. Et l'ennemi n'avait pas pu surprendre les musulmans. D'autre part, il était dit aussi que l'on doit faire preuve de patience, c'est-à-dire de ne pas dévoiler ses secrets. Voilà le sens de sabra, de ne pas transmettre cela aux autres et de protéger ses frontières. Voilà un sens qui a été présenté dans ce verset. Telle était la sunna du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ensuite, il est dit, « Ya ayyuhallatina amnusbiru » Ici, on a présenté l'enseignement de la patience après avoir mentionné ces trois batailles. Trois batailles qui étaient des batailles défensives. On n'enjoint pas la patience à ceux qui lancent des batailles offensives. L'on comprend donc ici que l'on avait tourmenté les musulmans. L'ennemi avait ourdi plusieurs complots. Et en dépit de la patience des musulmans, il y a eu de tels incidents. Et c'est pour cette raison qu'il allumait le feu de la guerre. Voilà donc les trois grandes batailles qui ont été évoquées. Et à la fin, le Saint-Coran tire cette conclusion que « Ya ayyuhallazina amanus biru »« Ô vous qui croyez, soyez toujours patients ». En la patience se trouve votre succès. Vous devez faire preuve de patience. Et vous devez être patient concernant vos bonnes œuvres. Lorsqu'on vous fait souffrir, vous ne devez pas commettre des actions qui vont offrir l'occasion à l'ennemi de lancer plusieurs attaques. Et ne transformez pas vos bonnes œuvres, c'est-à-dire ne soyez pas des apostats, ne soyez pas infidèles non plus. Soyez toujours fidèles et patients et restez toujours cramponnés à la vérité. Et encouragez aussi à la patience et surpassez-vous les uns les autres dans la patience. C'est quelque chose de grandiose, c'est-à-dire vous devez être patient face à l'ennemi et vous ne devez pas avoir pitié de votre âme. Voilà ce qui se passe dans certains cas. Par exemple, on est patient face à quelqu'un, mais on s'affaiblit en son fort intérieur. L'espoir que l'on a placé sur les suivants du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, est que vous allez voir la patience des persécutés. Vous devez comprendre que lorsque nous allons faire face à de telles situations, nous allons faire preuve de plus grande patience et que nous allons faire preuve de patience, nous allons préserver leur qualité et à aucun prix, nous n'allons pas nous écarter de la voie de nos frères qui ont fait preuve de patience et qui ont consenti à ces grands sacrifices. Voilà un sens de Swabero. D'autre part, il y a certains qui sont faibles et qui, en fin de compte, chancellent lorsqu'ils souffrent. Et certaines personnes disent que nous allons nous maintenir sur cette voie et on doit faire comprendre cela à ceux qui sont faibles. On doit leur faire comprendre que leur succès réside dans la patience. Un autre sens de Rabitu est que si vous faites preuve de patience, eh bien, vous allez pouvoir vous préparer face aux attaques. Puisque vous allez encourager la patience, eh bien, vous allez devoir vous préparer. À savoir que lorsque vous allez passer par de telles épreuves à l'avenir, eh bien, l'ennemi verra que vous êtes toujours prêt, que vous êtes fidèle et que vous êtes patient, persévérant et qu'ils ne pourront pas vous faire chanceler. Ainsi, c'est un sujet très important et c'est un sujet qui lie avec Rabitu, c'est-à-dire préparez-vous, Rabitu a deux grands sens. Tout d'abord, il est dit que vous devez faire preuve de patience, vous devez enjoindre la patience et vous devez vous renforcer les uns les autres. Et grâce à ce sabre, à cette patience, vous allez vous réunir car tous ceux qui font preuve de patience sont toujours unis. Lorsqu'on se réunit dans la tristesse, eh bien, on établit cette relation naturelle. Voilà ce qui se passe dans le cas de ces personnes qui souffrent ensemble.
Un poète a présenté ce point. C'est-à-dire, ce sont les deux cœurs qui sont blessés, tous deux sont en difficulté. Nous savons ce que c'est que la souffrance. Et nous sommes unis dans la souffrance. Ensuite, on s'adresse à son rival dans ce poème. C'est un poème qui a trait à la patience. Voilà le sujet que l'on trouve dans ce poème. Et grâce à la patience naît le sujet de Rabeto. C'est-à-dire, lorsqu'on passe par la même situation, vous devez faire preuve d'unité et vous devez faire preuve de patience, vous devez endurer cette souffrance ensemble. Et le Saint-Coran nous a présenté la situation des derniers temps et nous voyons la même chose. La beauté de ce sujet est que on a dit bisobre une seule fois, mais on trouve ces deux sens, c'est-à-dire watawasaw bisobre, de s'enjoindre à faire preuve de patience, d'enjoindre avec patience, car celui qui donne des conseils doit faire preuve de patience. S'il n'est pas patient, eh bien, ses conseils seront nuls. Si vous désirez que vos conseils puissent avoir de bons résultats, eh bien, vous allez devoir vous cramponner ensemble. Ce sujet a été évoqué ailleurs. Vous devez toujours conseiller, et un jour, ces conseils vont porter leurs fruits. Ensuite, il est dit, vous enjoignez la patience, vous conseillez avec patience, et vous devez toujours conseiller en étant vous-même patient. Vous devez être vous-même un exemple de patience. Le premier sens, c'est que vous conseillez les autres à être patients. Vous conseillez les autres à être patients. Et un autre sens de watawasaw bisabr est que vous conseillez toujours à être patient en étant vous-même un exemple de la patience et de la persévérance. Leur persévérance renforce leur vérité et leur qualité. Voilà le sujet qui a été évoqué ailleurs. Wasbiru, wasabiru, warabitu. Tout d'abord, vous devez renforcer vos cœurs. Vous devez vous unir. Ensuite, vous devez toujours surveiller la frontière et l'ennemi. Warabitu signifie placer des cavaliers à la frontière. Et lorsque ces dangers vont se réunir, eh bien, certainement, vous devez comprendre qu'il n'y aura pas de telles difficultés. Et certainement, vous devez faire des efforts en ce sens. C'est-à-dire, sabar ne veut pas dire d'accepter cette calamité et de baisser la tête face à cette calamité. Ce verset nous fait comprendre que vous devez certainement accepter cette calamité qui vous a frappé. Vous devez baisser votre tête face à Dieu. Et vous ne devez pas chanceler. Vous devez endurer tout cela et vous ne devez jamais chanceler. Voilà donc ce que signifie sabr. Il y a aussi le sujet de se soutenir les uns les autres et de s'unir. Cela ne veut pas dire que vous devez accepter cela comme si vous ne vous souciez pas de cette souffrance, comme si vous ne voulez pas enlever cette souffrance, en disant que maintenant cela peut se passer, nous allons toujours faire preuve de patience. Certainement, faire des efforts pour enlever ces souffrances ne va pas à l'encontre du sujet de sabr. Vous devez être prêt. Car lorsque vous passez dans cette tristesse, c'est là que vous allez comprendre. C'est pour cette raison que vous devez être prêt à enlever ces souffrances. Et vous ne devez pas être fataliste et que vous ne vous souciez pas des conséquences.
Tel n'est pas le sens de ce verset. Cela va à l'encontre du sujet évoqué dans le terme rabitu. Ensuite, il est dit Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Craignez Allah afin que vous ayez du succès. Voilà donc le sens de ce verset. Après avoir évoqué ces batailles, on a évoqué les souffrances du passé. À la fin, Dieu nous fait des rappels concernant l'avenir. C'est-à-dire qu'il y aura des épreuves à l'avenir. Et vous devez tirer le son des événements du passé. Vous devez être prêt et vous devez vous unir. C'est en cela que réside votre salut. Ensuite, il est dit que vous devez être persévérant dans l'accomplissement de ces bonnes œuvres, mais en dépit de cela, vous allez passer par des épreuves. Il y aura des épreuves qui vont essayer de vous détourner de ces bonnes œuvres. Ainsi, vous devez être fidèle face à ces actes de vertu. Ne croyez pas que cette période d'épreuve est passée. L'imam Rahib a présenté le sens de sabr et a déclaré que sabr signifie user de son intelligence et de se retenir. Sabr est un terme général qu'on utilise dans différentes situations, c'est-à-dire que se retenir face à une épreuve signifie sabr. C'est-à-dire que cela ne concerne pas uniquement la foi, mais cela concerne tous les aléas de la vie. Et le jeûne aussi est qualifié de sabr. Au cours du jeûne, on se préserve de toutes choses qui nous sont permises en des situations ordinaires et qui ne sont pas des péchés. On se préserve aussi de ces choses qui sont licites. Ainsi, il est important de faire preuve de patience. Voilà notre sens de sabre. Il y a ce verset, « Fama asbarhum ala nar ». Et Abu Ubaida a commenté sur ce verset que ici sabr signifie le courage ou la témérité. L'imam Rahib a présenté ce sens en disant que cela concerne aussi l'ibarda, c'est-à-dire que de se retenir, de se maintenir sur les voies de l'ibarda et de faire un djihad contre ses passions et ses désirs. Ainsi, le sens de Rabito sera que l'on devra se maintenir très loin des limites fixées par Allah, des frontières fixées par Allah. Ici, le sens sera pas que vous devez vous rapprocher de ces limites. Au contraire, vous devez vous maintenir très loin. Le sens ici sera de ne pas vous rapprocher de ces frontières. Sinon, il se peut que vous outrepassiez les limites fixées par Dieu. Ce verset veut dire que l'on doit faire ce djihad contre ses désirs effrénés. Istabir signifie aussi faire des efforts pour se maintenir sur la voie de l'ibarda. L'imam Rahib a expliqué le terme Rabd en disant que Rabd signifie préparer des cavaliers pour la protection. Ribatul Jaish signifie le camp où se trouvent les soldats qui ont la responsabilité de protéger les frontières. Tous les dérivés du terme rabat, à l'instar d'al-ribat, de rabatu, rabatu, ont pour sens la protection ou accorder la protection. Le sens littéral de rabat signifie attacher ou ligoter, mais le sens premier est d'accorder la protection ou de protéger. امام راغب نے جو بیان کر دیا یہی کافی ہے کسی اور لغت کے حوالے تو سب اکٹھے ہیں مگر کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی
Je ne vais pas citer les autres lexiques car je ne vois pas des choses qui sont intéressantes ou nouvelles. J'ai évoqué le ribat du cœur. J'ai déjà cité un verset à ce sujet. Tadjul Urus a présenté de Irtibat al-Khair qui signifie protéger ses prières. L'imam Razi nous explique que Dieu nous a présenté ses principes. Parmi les principes évoqués ici, il y a l'unicité, la nabouwa et la justice. Et on trouve aussi les obligations à accomplir. À la fin de ce verset, on trouve toutes ces choses qui ont été évoquées auparavant. Il dit que dans cette sourate, Dieu a évoqué des points essentiels, des enseignements de base. On trouve aussi des détails concernant certains sujets. Ce verset, à la fin, est un rappel, à savoir que vous devez préserver ces enseignements, vous devez faire preuve de patience. Et il ne faut pas que Satan vous attaque à aucun moment. Il n'a pas présenté le terme Satan ici, mais voilà le sens qu'il voulait présenter. C'est-à-dire, si vous considérez Satan comme votre ennemi, eh bien, Ribatul Khayl, ou placer ses cavaliers à la frontière, veut dire que l'on doit protéger ses coins et ses recoins. C'est-à-dire que lorsque les vices pénètrent quelque part, ces vices pénètrent par des chuchotements petit à petit. Des fois, on oublie certains coins. Mais une fois que vous avez laissé entrer Satan, même s'il est entré dans un coin ou par la frontière, eh bien, de toute façon, Satan a déjà pénétré à l'intérieur. On comprend cela dans la médecine aussi, quotidiennement. Nous voyons cela agir. Voilà comment agissent les microbes. Quant à ces personnes qui disent que même si quelques microbes sont pénétrés dans le corps, ne savent pas qu'une fois que ces microbes ont pénétré à l'intérieur, il sera difficile de les en faire sortir. Une fois qu'ils aient pu s'implanter quelque part, eh bien, ils vont frapper toute cette région. Ils affectent toute la région et cela affecte aussi le cœur, le cerveau et le foie. Ribatul Khair, par rapport aux maladies physiques, signifie que l'on doit prendre des mesures de protection. Par rapport aux maladies spirituelles, cela veut dire tout simplement qu'on doit faire des efforts pour que Satan ne nous attaque pas ou qu'on ne pousse pas à accomplir de petites fautes et qui nous pousse à accomplir de grands péchés. Si vous n'êtes pas vigilant, eh bien, vos frontières ne seront pas à l'abri. Dans le Tafsir Kabir, on a présenté le sens technique de ces deux termes. Dans le Tafsir Fatul Bayan, nous voyons la même chose, c'est-à-dire le fait de faire preuve de patience face aux épreuves. On ne trouve pas de point nouveau ici. Par la suite, on trouve toute une série de hadiths qui ont été évoqués dans ces exégèses, dans ces livres de commentaires, mais ces hadiths ne sont pas dignes de confiance. Le sens de ces hadiths nous fait comprendre que cela a été fabriqué de toutes pièces par des gens qui sont venus après. Ils ont inventé certains hadiths ou ils n'ont peut-être pas compris le sens de certains hadiths et les ont détournés. Par exemple, dans un hadith, il est dit que si quelqu'un a attaché son cheval sur la frontière, eh bien, il va recevoir les mêmes récompenses pour avoir jeûné un mois
tout entier et pour avoir accompli l'ibada pendant un mois tout entier. Ce genre d'hadith où on trouve mention de ces nombres ont été fabriqués bien longtemps après la période des Awalines. Et dans tous ces hadiths qui ont été fabriqués, on voit ces nombres et ces comptes. On trouve des hadiths où l'on mentionne le fait que le saint prophète avait attaché ses chevaux, mais jamais on ne trouve pas mention des chevaux qui ont été attachés aux frontières. On le faisait pour protéger les frontières. Mais dans ce hadith, on dit que celui qui va le faire à la frontière va recevoir les mêmes récompenses pour avoir jeûné un mois tout entier. Abu Salma Abdurrahman rapporte un hadith. Cela se trouve dans le tafsir de l'imam Razi. Il est dit qu'à l'époque du saint prophète Mohammed, il y a eu des batailles au cours desquelles on a utilisé des chevaux. Ici, il n'est pas question de bataille. Ici, on parle d'une situation ordinaire. Ainsi, on peut comprendre que lorsqu'il y a eu des batailles, eh bien, on attachait les chevaux. Attacher les chevaux là-bas signifie les tuer. Ainsi, on ne doit pas prendre cela au pied de la lettre. Attacher les chevaux tout près de la frontière signifie camper tout près de la frontière. Et on accepte cela dans le monde entier. C'est une méthode très efficace. On n'attachait pas les chevaux immédiatement sur les frontières. On plaçait les camps à une certaine distance de la frontière afin que l'on puisse voir ces frontières et qu'il n'y ait pas de danger. Et dans ces hadiths qui ont été fabriqués de toutes pièces, il est dit que si vous avez attaché votre cheval à la frontière, vous aurez la même récompense pour avoir jeûné tout un mois. Ces personnes qui avaient peur du ramadan partaient à la frontière pour attacher leurs chevaux là-bas. Yeah.